Bonjour, me voilà de retour. Et pour ce retour, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo assez simple de façon à ce que même les débutantes puissent le reproduire. Je vous ferai d'autres nail art Noël dans le mois de décembre qui seront peut-être un petit peu plus compliqués. Donc là, c'est une petite vidéo sympa avec très peu de produits. On peut remplacer d'ailleurs le produit, la finition Catize par un effet Catize tout simple, il n'y a aucun problème. Là, c'était juste pour vous faire découvrir un petit peu cette finition dont je vous ai parlé, je crois, qu'une seule fois. Donc, c'est parti. Donc, pour vous faire la démo, j'ai préparé une capsule. Bien évidemment, vous allez faire la suite sur votre pose. Donc, je vais choisir une teinte de couleur rouge. Donc là, c'est un gel couleur que je vais prendre de la marque M-Nails, le numéro 184. Je vais poser une à deux couches que je vais catalyser. Ensuite, je vais prendre la finition Catize de la marque Magnétique. Donc, c'est une finition qui est spéciale Catize de façon à faire un effet Catize sur une couleur. Je vais l'appliquer sur toute la surface de mon ongle en couche pas trop épaisse. Ensuite, je vais prendre un aimant et faire un effet Catize, mais je ne veux pas avoir vraiment un trait ou un cercle. Je veux plutôt arriver à jouer avec mon Catize de façon, en fait, vous voyez, à le faire jouer un petit peu vers le centre. Donc, je m'amuse un petit peu comme ça sur les côtés, sur le bout. Voilà, on a un effet Catize, mais on voit quand même bien les pigments sur quasi toute la surface de l'ongle. Ensuite, on catalyse. Donc, après avoir catalysé mon effet Catize pendant 1 minute, je vais prendre un gel paint. Donc, pour faire le petit effet sympa pour la suite, on va prendre un gel qui va se rapprocher le plus possible de notre gel de fond. Donc là, je vais prendre le gel paint Redline de la marque M-Nails de façon à ce que le rouge se fonde bien avec le rouge de fond. Donc, j'en pose sur une palette. Et ensuite, je vais créer mon dessin.
Donc voilà, donc c'est pas évident à vous montrer puisque c'est du rouge sur du rouge, mais en fait j'ai fait deux petites étoiles toutes simples et des petits points rouges. Donc je vais ensuite catalyser pendant 30 secondes. Et pour finir, je vais prendre une finition sans résidu, donc là c'est celle de la marque Design Nail Art. J'applique ma finition sur toute la surface et comme toujours, je catalyse pendant 2 minutes. Et voilà le résultat une fois catalysé. On a un petit effet sympa qui est rapide à faire. Il ne faut pas beaucoup de produits pour le réaliser. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Surtout, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.